Album à tous. Je suis DJ. Alors, je sors du travail. Je travaille dans une agence de booking de DJ. Et là, je me dirige vers chez une amie que je dois, à qui je dois donner son cadeau d'anniversaire. Voilà. Alors, les marques de ma tenue ? Oui. Alors, ça, c'est un haut mango de, qui a du. De la collection il y a peut-être 4 ans. C'est un très vieux truc. Ça, c'est Stan Ray. Stan Ray, vous connaissez ou pas cette marque? Stan Ray, c'est une marque qui imite des vêtements de travail un peu... Ça, c'est des New Balance, du coup. Et ça, c'est Patagonia. Alors, c'était à ma grand-mère. C'est une marque très connue en plus qui s'appelle Escada. Escada. Ouais, c'était une très grande marque avant. Oui, c'est très unique. Oui, c'est beau, hein. C'est une belle pièce, ouais. Oui, c'est tout bleu. Oui, j'aime beaucoup le bleu, c'est ma couleur préférée. Street chic. Oui, street, parce qu'il y a le côté un peu, le pantalon un peu large, les baskets. La banane, c'est quelque chose qui est inspiré de la rue, c'est street. Mais j'aime bien mettre du vernis, choisir mes couleurs, ce soit un petit peu chic. Avec la ceinture de ma grand-mère, qui casse un peu le côté street. Juste après, je vais rentrer chez moi et je vais travailler mon mix. Voilà. Alors, j'organise des soirées avec une association qui s'appelle Cahier Électronique. On travaille pour mettre en avant la scène émergente parisienne et aussi on fait en sorte de proposer des line-up qui sont inclusifs, donc avec des hommes, des femmes, pas forcément que des Français, des gens de partout, pour essayer d'apporter de la richesse en fait dans les line-up. Mais pourquoi vous avez choisi DJ comme votre... Je sais pas si j'ai choisi, j'ai fait de l'événementiel autour de la musique et très rapidement, très naturellement, je me suis dirigée vers ça. C'était une évidence, un rêve. J'ai toujours voulu faire ça en fait. C'était un rêve et un jour je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi je choisirais pas ma musique, pourquoi je proposerais pas de la musique pour des marques et ça a fonctionné. Donc voilà, j'ai l'impression que mes clients étaient contents, donc j'ai continué dans cette voie. C'est vraiment beau rêve. Oui, c'est important. Vous avez réalisé. C'est important de vivre ses rêves. What's your name? I'm Lo. And my name is Mitchell. We work for a fashion label in Amsterdam. So, what I'm the brand, right? Yeah. Prada. Yes. Hero. Balenciaga. This is from Bushcraft label. Bushcraft. This is a label we work for. It's a Dutch label. Yeah. Oh, Chanel. And for me, it's a bit different. It's all made to measure. So I have a business in Holland. They do Italian tailoring and stuff. And they create the shirts and pants and whatever I want for me. And I have a bit of Gucci on the feet. And of course Hermes and a bit of Cartier. How many days are you staying in Paris? Two. Only two. Just one night. Yes, just for work. You need more. Yes. I always do. Yeah, we always do. That's why we do a lot in the short time. Dinners, lunches with people, some shopping, inspiration, physical aspects. It's a lot. It's fun. Yeah, you have to come back. Always. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. My name is Nathalie. I'm a designer.
Natalie Rocks, my brand. My design. Your design? Your design. Yeah. Comfortable dress for everywhere. This is Saint Laurent. This is Crocs. Yeah. It's my favorite shoes, really. It's so easy to walk. Yeah, it's very nice for Paris. Yeah, I think so. Yeah. I think casual. Yeah, it's possible to wear, of course, in the evening also, but with Crocs, it's casual. It's not a brand, I think. No, it's brand, but I don't know. This I bought in Ukraine. It's diamond. This is also. Yeah, it's nice. That's all. Thank you. Thank you so much. Emmanuel, tu m'appelles Emmanuel. Je travaille dans le luxe. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est la Fashion Week, donc on reçoit pas mal de clients et de presse cette semaine. Donc je suis là pour ça ce soir. Alors, on va savoir les marques de votre client. D'accord. Donc la robe, je crois qu'elle est achetée plutôt chez un indépendant, je me souviens plus du nom de la marque en particulier. Le sac, c'est un sac Chloé. Et les chaussures, je crois bien que ce sont des vélos. Voilà. Et non, j'ai une bague Cartier sur moi. Voilà. C'est assez classique parce que comme je travaille et qu'on reçoit les clients, c'est vrai que c'est très sobre et voilà, et professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir je serai en train de travailler, je vais être avec des clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir. Au revoir.